Per la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi. Jugada de l'equip de Duprat, Neymar. Wayne Rooney standing there more out of hope than expectation. Messi, encara 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 Messi. Neymar, Rabiot. Oh, has he got enough room to get up? No, but I'm not, he might keep it down. Messi, encara Messi, gol, 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 gol. La mano de la Fo. Here he comes. Oh, my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! David James stood like a statue and already... Eh bien, bonjour à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, bienvenue au grand décrassage numéro 12. J'aurais plus assez de doigts pour compter cette émission. Oui, déjà, numéro 12. L'émission sur Internet, sur YouTube, sur la chaîne Thomas Parle Foot, où on débrief de la Ligue 1, ce qui s'est passé le week-end, notamment la journée 16, la J16 déjà. Déjà, on va faire ça direct parce qu'il y a eu la J15 mercredi. On va voir un peu les enseignements. Strasbourg-Caen 0-0, Amiens-Dijon 2-1, les Amiénois qui cartonnent. Bordeaux-Saint-Etienne 3-0, Lyon-Lille, belle victoire, hein, sans biais de ça, des Lillois à Lyon. Nantes-Monaco 1-0, Marseille a battu Metz, bon, tout le monde bat Metz malheureusement, 3-0. Toulouse-Nice 2-1, Angers-Rennes 2-1, Guingamp-Montpellier 0-0 et Paris 3-0-0. Voilà pour la J15, on va tout de suite enchaîner avec le match d'hier. Qu'est-ce qui a eu lieu? Il y a eu le Montpellier-Marseille. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ça va faire plaisir à JBoss34, à Mimi13, à tous les Marseillais sur le chat. N'hésitez pas non plus à réagir sur le chat là, de Twitch en direct. Et moi, je relaye vos questions et j'y réponds tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? On va tout de suite rentrer dans les choses qui fâchent. Hein. On est d'accord quand même parce que bon, ce monsieur, voilà, monsieur Schneider. Globalement, il ne se passait pas grand-chose dans ce match, jusqu'à cette frappe de Sio, donc cette massive reprise de volée là, sur un ballon renvoyé de Sakai, 1-0 pour les Montpellierains, qui gèrent, même si ce n'est pas sexy, le match tranquillement à la Mosson, sur une pelouse un peu meilleure que les dernières fois. Et penalty avec Hilton. C'est penalty Hilton ou Mukele, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe. Globalement, Sanson, l'ancien Montpellierain, contrôle le ballon de la poitrine dans la surface de réparation. Il va pour faire une sorte de pivot, se retourner pour marquer au but comme un attaquant normal, hein, on va dire. Mukele lui met la main sur l'épaule et visiblement, selon l'arbitre, l'emmène vers le sol et donc accentue le geste de chute de Sanson et donc penalty. Super discutable parce que on est d'accord que Sanson se retournait tout seul et il n'y a pas besoin de l'ami Mukele pour le faire. Et donc on voyait très bien qu'il était déséquilibré, que son pivotement n'était pas serein et qu'il tombait tout seul. En plus, le ballon tape sur le bras de Hilton, je le mets là parce que c'est un peu l'homme du match malgré lui. Et du coup, bah, l'arbitre dit, bon voilà, il y a une main pas décollée certes du corps. Il y a cette faute sur Mukele, je siffle penalty, Thauvin la transforme, du coup ça fait un partout. Et après, qu'est-ce qui se passe dans les dernières minutes? Il y a un beau coup franc, Camara, le meilleur buteur actuel, on va dire, Montpellierain, et il est dans le top 10 des meilleurs buteurs en activité dans le championnat français, met une tête. Mandanda, on voit globalement qu'il commence à se coucher pour arrêter le ballon, donc vraisemblablement il le loupe, mais Hilton, encore lui, fait action de jeu et gêne Mandanda. Donc l'arbitre, au début, siffle, but, parce qu'on voit Derzakarian péter un plomb parce qu'il est content, on voit tout le monde, voilà, les Marseillais sont à moitié abattus, et Mandanda se dirige vers M. Schneider en lui disant globalement qu'il a été gêné par un joueur, mais il ne savait pas si c'était un défenseur ou un attaquant de son équipe. Donc ça rigole un peu. Et du coup, Schneider dit que le but est refusé. Mais Schneider a respecté à la lettre. Parce que quand on voit avec les révélateurs visuels et les caméras de Canal, on voit qu'effectivement, Hilton fait action de jeu. Du coup, la loi dit que quand un joueur fait action de jeu et gêne le gardien de but, eh ben, il y a hors-jeu. Et, ouais, c'est ça. Il aurait mieux fait de rester dans l'électroménager. En tout cas, du coup,
Ça fait un partout et les Montpellierains se sentent lésés et les Marseillais, mine de rien, chopent un bon point en tout cas dans cette accessite en tout cas aux 4 premières places. Ils recollent au classement des 32 points. On verra tout à l'heure dans le classement en fin d'émission. Ça étant fait, ce qu'on peut quand même voir de bien dans ce club, en tout cas, globalement, hein, je trouve, c'est l'ami. Attendez, c'est l'ami. L'ami Thauvin. Thauvin que je trouve super bon. Il est vraiment international français. Il commence à prendre de l'importance. C'est lui vraiment le. Pas le dépositaire, mais l'accélérateur de jeu marseillais sur son côté droit. Il marque plein de buts. Je crois que c'est sa meilleure saison. On sait que quand il est arrivé à Marseille, avec toutes ces grèves qu'il avait fait là, à Lille et compagnie, là, il a été sifflé parce qu'il n'était pas dedans, il n'était pas prêt, il était un peu gros. Et du coup, là, il est fit, il est bien. Et je pense qu'il veut sa place en bleu. Ça va être tendu quand même, vu l'effectif pléthorique des attaquants français. Et je trouve qu'il rayonne. Voilà, il marque un but sur penalty. Même si je dis à chaque fois que Thauvin a une seule feinte, c'est-à-dire rentrer sur son côté droit et enrouler du pied gauche à la Robben. Mais Robben a fait sa carrière là-dessus, c'est un très grand joueur. Donc Thauvin peut le faire aussi. En tout cas, c'est vraiment bien. L'ami Morgan Sanson est très bon aussi. Je trouve que enfin l'ami Rudy Garcia l'a positionné en pointe haute du losange, un peu défensif, avec Zambo Anguissa qui donne des coups. Et Gustavo qui est un peu le dépositaire du jeu à la Pirlo derrière. Ces deux gratteurs de ballon et Sanson qui va alimenter un peu la ligne d'attaque marseillaise. Je trouve que voilà, il était au placard, il l'a remis, il a remplacé Payet parce qu'il était blessé. Du coup là je suis content qu'il le laisse sur le terrain. C'est vraiment un super joueur. Il a coûté 12 millions je crois à l'époque dans le recrutement, donc c'est vraiment un bon espoir français en tout cas. Et l'ami Sio qui marque un super but de reprise de volée. Sio que j'ai bien connu quand il était au Stade Rennais, qui est capable de louper des buts énormissimes et qui est capable de mettre des buts de ouf. Et là en l'occurrence son but il est génialissime, ça le retombe un peu dessus, mais cette volée est vraiment exceptionnelle. Franchement j'aurais pu mettre Aguilar, le latéral défensif, ce sont avec des joueurs défensifs en ce moment avec Der Zakarian, mais j'aurais pu mettre Aguilar que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant. Sio, quand il est comme ça, quand il est grognard contre les gros clubs, je trouve que Montpellier s'en sort bien contre Paris, contre Monaco, contre Marseille, là en l'occurrence, et contre les petites équipes, ils ont un peu de mal parce qu'ils font pas le jeu. Je vais revenir vite fait là-dessus. Voilà, le bus, encore une fois, le bus Montpellierin, quoi. C'était vraiment une ligne à 5. Là, je croyais que 3, Amiens et Dijon allaient justement donner envie aux équipes avec un plus gros budget et celles qui prétendent, on va dire, à l'Europe, hein, parce que Montpellier quand même est bien classé et 8e actuellement. Je pensais qu'ils allaient jouer plus au ballon et de se dire, tiens, les petites équipes avec moindre budget qui veulent se sauver ont des couilles pour jouer contre des grosses équipes. Et bah voilà, en fait non, il a quand même gardé le bus. 35% de possession de balles à domicile, c'est juste incroyable. Ça joue pas du tout, quoi. Pas du tout. C'est flippant. C'est comme Nantes. Voilà, c'est comme Nantes, c'est comme Saint-Té. Bon, Saint-Té, du coup, rentre dans le rang, parce que Saint-Té, il n'y a pas grand-chose, mine de rien, dans des places aux supporters stéphanois. Mais bon, c'est un peu en crise de résultats, mais il n'y a pas vraiment d'identité. On va laisser un peu le temps. On va pas dire que c'est le bus ou pas. Mais voilà, je pense que Montpellier pourrait faire autre chose, qu'ils n'ont pas des joueurs dégueulasses non plus, en tout cas, voilà. Et puis mon gros flop, c'est Payet, quoi. Qui est juste... Mais incroyable. Je sais pas pourquoi il l'a mis de côté gauche, que Payet côté gauche, c'était quand il avait 20, 22 ans, où il pouvait rentrer dans l'axe et essayer de faire quelque chose, mais... Voilà, en milieu gauche de débordement, ou alors en attaquant de débordement pour manger la ligne, Payet, voilà, il a un tracteur au cul, il a toute la manifestation des agriculteurs au cul, c'est voilà, il avance même plus, enfin c'est catastrophique, enfin c'était le plus nul marseillais hier, je trouve. Voilà, je sais pas si c'est pour le montrer, j'ai émis l'hypothèse hier dans les commentaires sur le débrief que j'ai fait sur la chaîne Thomas Parfoot, mais j'ai émis l'hypothèse que c'était peut-être pour essayer de le vendre ou le prêter à un club anglais. Mais voilà quoi, 35 patates pour Payet. Il n'est pas à son meilleur niveau. Il a été une bonne année à West Ham
l'année dernière, mais bon là je sais pas, je trouve ça un peu déplorable de le mettre quand même titulaire alors qu'on pourrait mettre par exemple Ocampos qui est pas non plus un foudre de guerre mais qui défend mieux. Payet défend pas, n'avance pas et on dirait que c'est un fantôme. Voilà mon flop en tout cas pour Marseille. On va enlever Monsieur Schneider, on va pas le mettre toute la journée quand même et on va venir sur l'exploit quand même avant de recevoir Baptiste pour parler de la Ligue 1. On va venir sur l'exploit de Strasbourg qui a battu Paris. Paris qui était invaincu depuis 25 matchs, depuis Nice. Hein, en avril dernier, Paris n'a pas perdu, invaincu en Europe cette année. Et ben, on voit que ils sont tombés face à ces Bauken, face à ces Liénard et surtout face à ce stade, la Méno, qui est incroyable. Ils ont fait tomber Lille, ils ont fait match nul contre Saint-Etienne, match nul contre Marseille. Ils ont fait tomber Rennes, ils ont fait tomber Angers, ils ont fait tomber donc Paris. Ils sont 14e avec 18 points, ils méritent mieux. Hein, je pense qu'ils peuvent finir 10e. Kenob Sunset qui dit enfin, oui, parce qu'il est supporter strasbourgeois, il était content, Kenob. Mais ouais, c'est clair que avec le cœur, avec l'envie, cette équipe montre des bonnes choses pour un promu. Ils n'étaient pas programmés en tout cas à monter en Ligue 1, ils n'étaient déjà pas programmés pour monter en Ligue 2, enfin ce club de l'Est qui est quand même une institution française. Et du coup on voit que avec des joueurs quand même, je parle de Lénard, je parle de Bauken, je peux parler d'Acosta aussi qui a marqué le but de la tête sur le premier but contre Paris, le 1-0. Je peux parler de Jonas Martin, je peux parler de la défense aussi, Mangan Kone. Tout ça, c'est cohérent. C'est cohérent et même Camara, même si il a été blessé, le pauvre, il a été victime de vertige. Mais c'est très cohérent cette équipe et je pense que c'est avec Dijon la surprise, la meilleure équipe, une des plus petites équipes qui jouent en tout cas au ballon, qui montrent de l'allant. Ils ont un peu plus de difficultés à l'extérieur, mais en tout cas même s'ils avaient battu Nice, hein, même à l'Alliance Riviera, Nice qui était au fond du trou en l'occurrence à l'époque. Mais je trouve que voilà, c'est fou ce club, cette ville qui marche comme ça et qui bat Paris. Pourquoi ils battent Paris justement? Alors moi j'en veux à Emery. Parce qu'Emery, comme contre 3, il a fait tourner. Il a laissé Verratti sur le banc, il a laissé Cavani sur le banc contre 3. Là, c'est pareil, il a mis un milieu de terrain trop offensif, quoi. Il a mis Pastore en milieu de terrain avec Draxler. Draxler qui, normalement, comme je m'explique à chaque fois, est un accélérateur de ballon, un 8-10 qui est censé alimenter l'attaque de devant, qui des fois est la MCN, en l'occurrence là. Et il manquait Cavani, hein, qui faisait la gueule sur le banc parce qu'il voyait que son équipe était malmenée par Strasbourg. Et du coup on voit que il n'y avait pas de physique. Rabiot était un peu esselé, il a été obligé de mettre des coups, notamment sur la première faute qui amène le but de Dacosta. Justement, il a été obligé de compenser les errements défensifs du milieu de terrain. C'était un milieu de terrain beaucoup trop offensif, intéressant et sexy sur le papier, mais beaucoup trop offensif. Il n'y avait aucun gratteur de ballon. Et on voit que quand Verratti est rentré, même Lo Celso, ça a été mieux. Et Paris a plus dominé, a eu plus d'occasions de balles. Le héros, deuxième gardien strasbourgeois, en a sauvé des belles, notamment sur la tête de Cavani. C'était un réflexe, mais voilà, c'était un milieu beaucoup trop offensif. Et puis Di Maria, le fantôme, voilà, je fais comme lui, mais le fantôme Di Maria qui ne mérite pas ce club-là, j'ai envie de dire. Parce que quand on est dans un grand club, une grande institution comme Paris, qui a un nouveau club, hein, qui veut être un grand d'Europe comme le Real, comme le Bayern, comme l'Atlético Madrid, comme le Barça, comme Manchester United, et ben quand tu es sur le banc, tu dois fermer ta gueule et te dire que je suis dans un grand club, une grande marque, une grande institution mondiale. Du coup, ben, je me bats pour être titulaire et je sais qu'on a besoin de moi, on a besoin de 18 joueurs pour toutes les échéances européennes et donc je ne fais pas ma diva. Voilà, et Maria, on voit quand il joue même titulaire, il sait très bien dans sa tête qu'il jouera pas les prochains matchs, qu'il est là pour faire tourner seulement ou pour compenser un blessé ou autre. Donc on voit que ce mec là, ou même Pastore, on voit que Pastore veut partir aussi à Inter de Milan.
C'est triste parce que normalement ça devrait pas être comme ça et on devrait se dire que bah oui, Kenob, l'attitude du Maria et Neymar sont quand même assez lamentables. Bah on voit que Neymar, justement, j'avais dit hier, Neymar était nerveux. On voit que Neymar, quand son équipe va pas bien, il fait des fautes assez dangereuses, je trouve, qui pètent les plombs. On l'a vu prendre un rouge pendant un match dernier. On l'a vu là mettre un tacle, attaquer à Lienard. Il a pris un jaune, mais on voit qu'il est assez nerveux quand ça tourne pas en sa faveur et dans son équipe. Mais en tout cas, je trouve que Paris mériterait d'avoir des mecs comme Meunier qui dit jamais rien, tu vois. Il joue pas, mais il dit jamais rien. Des mecs qui rentrent dans l'institution parisienne et qui sont là pour gagner leur place. Et du coup, bah voilà quoi, mieux jouer. En tout cas, je pense que c'est peut-être une piqûre de rappel pour Paris, mais il n'y a pas de grande incidence. J'ai mis le championnat relancé parce que mine de rien, ça peut permettre aux autres équipes de pourquoi pas se dire que Paris est battable. Et du coup, on peut peut-être grappiller cet écart de points envers au classement. Donc voilà, on va recevoir tout de suite l'ami. L'ami Baptiste pour débattre des matchs, des autres matchs qu'il y a eu. Donc je vais l'appeler tout de suite en direct avec vous. Et je vais appeler Baptiste. C'est parti. Tac, tac, tac. Baptiste va répondre, attention. On dirait un jeu télévisé. Attention, Baptiste va répondre. Est-ce qu'il a la bonne réponse, Baptiste? Oui. Est-ce que tu peux mettre ta caméra à tout hasard? Oui, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Nous, on t'entend en tout cas. Tu m'entends? Tu m'entends pas. Tu m'entends? Tu m'entends pas? Du tout? D'accord. Attends, bouge pas. Alors. Je vais régler ça. Vous entendez, est-ce que vous entendez l'ami Baptiste? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va régler ça tout de suite. Alors, paramètres. Microphone. Bah oui, microphone. Focusrite. C'est bizarre, c'est étrange. Si on n'entend pas, c'est pas trop grave. On va continuer. Ouais, est-ce qu'on t'entend? Bonne question. Est-ce que toi tu m'entends pas? Tu m'entends toujours pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va voir ce qui se passe. Parce que on n'entend pas Baptiste, ne bougeons pas. Allô. Est-ce que là on entend? Est-ce que tu m'entends toi? Est-ce que vous entendez Baptiste? Vous l'entendez Baptiste? Et par contre, toi, tu m'entends pas, Baptiste. Toujours pas. C'est embêtant, quand même, on va dire, ça. Et tu m'entends en décalé ou pas, du coup? Paramètres. C'est bizarre, est-ce que là, tu m'entends ou pas? Moi, je t'entends pas. J'ai le retour du live sur le... Ouais, mais moi je t'entends, mais est-ce que... Moi je t'entends pas là. Tu m'entends pas du tout là? Bon. On l'entend, mais il m'entend pas. Est-ce que tu peux répondre à mes questions, genre en décalage? C'est possible ou pas? Ou ça va être chaud? Aha. Est-ce que là tu m'entends ou pas? Moi je t'entends pas. J'ai le retour du live sur le... Ouais, mais moi je t'entends pas. Moi je t'entends pas là. Tu m'entends pas? C'est très embêtant. Attendez. Bon, désolé les amis, hein, je sais pas, je pense qu'on va se passer de l'ami Baptiste. C'est bizarre quand même que ça marche pas. Dispositif audio. Si je mets haut-parleur comme ça,
Est-ce que ça fonctionne? On va essayer. C'est ça, c'est... Allô? Là, tu m'entends là ou pas? Allô? Je t'entends toujours pas. Tu m'entends toujours pas? Je t'entends. Tu m'entends toujours pas. Bon. C'est très très embêtant cette histoire quand même. Paramètres. Et si je fais ça, comme ça, est-ce qu'il va m'entendre? Et là, allô? Est-ce que tu m'entends là? Là, je t'entends parfaitement. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît? Oui. Voilà, c'est tout bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Ben, je ne sais pas non plus. Voilà, moi, je t'entendais pas. J'entendais rien du tout. Bon, les aléas. Donc j'ai fait Strasbourg-Paris, j'ai fait Montpellier-Marseille. Est-ce que ça te dérange pas d'enchaîner avec Caen-Lyon, mon ami? Avec Caen-Lyon, non, pas de souci. Un petit 2-1 à l'extérieur de Lyon qui se remet en route après une défaite un peu logique contre Lille à domicile la semaine dernière, enfin en début de semaine là. Un match pas forcément super facile pour Lyon, hein, où ils ont maîtrisé quand même de bout en bout, mais c'était pas trop ça non plus dans le jeu. Mais après, c'est un score plutôt logique avec des buts de Cornet, de Mariano et Santini qui réduit le score juste à la fin du match. Un match plutôt correct, hein, quand même, faut le dire. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de Canet, il y en a au moins deux sur le chat, qui vont dire est-ce qu'il y a eu des problèmes d'arbitrage ou pas? Oui, il y a deux, trois petits trucs quand même un petit peu litigieux, je trouve, même si ça n'a pas influé sur l'ensemble du match. Je trouve que ça n'a pas eu un impact vraiment, vraiment énorme, quoi, je trouve, dans l'ensemble. Sans doute avec Marsal et l'arbitre assistant, là. L'arbitre vient un peu fort sur Marsal quand même. Les deux, je crois que les deux sont un peu fait peur. Mutuellement, en fait. Ouais. Marsal réagit mal, c'est sûr, il touche l'arbitre, mais même l'arbitre, en fait, quand juste après que Marsal lui touche le menton, l'arbitre se rend compte que lui, il y est peut-être allé un peu fort et ils ont préféré. Enfin, on voit sur les images qu'ils en rigolent tous les deux, qu'ils sont un peu surpris. Donc, pour une fois que des arbitres de Ligue 1 font un peu preuve de psychologie, je trouve pas ça illogique que Marsal prenne pas rouge, quoi. C'est arrivé justement à Thiago Silva qui avait ceinturé l'arbitre. Là, il c'est avait ça. Pris, pour toi, c'est pas la même chose. Là, c'est différent. En plus, l'arbitre vient derrière Marsal. Marsal, je pense que sur le coup, se demande si c'est pas un joueur canet qui vient derrière lui pour essayer un peu d'envenimer les choses ou démarrer une espèce de petite altercation. Je pense que dans le feu de l'action, Marsal se rend pas forcément compte que c'est l'arbitre qui arrive. Et même l'arbitre, après, je crois qu'il l'a dit après qu'il était arrivé un peu fort sur le joueur. Donc, moi, je trouve, pour moi, ça vaut pas rouge. C'est pas une atteinte physique très très poussée, je trouve. En tout cas, après, c'est mon avis. Je pense qu'il y a des canets qui seront pas d'accord, mais voilà. C'est comme ça, en tout cas. Mais est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Juste une question. Parce que je vois qu'on t'entend toi et moi, on m'entend moins bien. Vous m'entendez bien ou alors faut que je parle super fort, comme ça? Toujours ces problèmes techniques. Parce qu'on a pris la carte son pour faire le live dans un bar et du coup, on l'a mal réglé. Oh, d'accord, ok, c'est bien. On va enchaîner du coup avec Dijon-Bordeaux, donc les Bordelais qui retombent dans leur travers, mine de rien, alors qu'ils avaient battu Saint-Étienne mercredi 3-0. Ouais, ils sont un peu égaux à eux-mêmes, hein, comme on dit. Surtout que Dijon est un peu est quand même en bonne forme, je trouve, en ce moment. Il remonte bien la pente après des moments un peu difficiles. À Bordeaux, si on retire Malcolm, clairement, il n'y a pas grand monde qui fait rêver au niveau football. Hein. De Préville, c'est devenu un petit peu un fantôme, alors qu'il avait fait une bonne arrivée, je trouve. Là, il y a Cafu qui marque, c'est quand même pas un joueur qui est fabuleux. Enfin, Bordeaux, c'est triste à voir jouer, c'est chiant à voir jouer, je trouve. C'est pas du grand football. Pour moi, ils sont à leur place, hein, très clairement. Ils avaient fait un bon début de saison sans que ça soit fabuleux, enfin, sans que ça laisse présager des choses exceptionnelles.
Et en face, Dijon qui est sur une bonne dynamique, je trouve, en ce moment, qui joue pas mal au ballon. Ouais, c'est une des petites équipes, franchement, qui joue le mieux avec Deloglio. Ça y va, quoi. Franchement, ils veulent se maintenir en jouant. C'est comme Amiens 3, c'est cool. Ouais, ils ont des bons joueurs. Ils ont des Samaritano, Jeannot, Saïd, tout ça qui tourne pas trop mal, en tout cas. Et c'est pas désagréable à voir jouer. Voilà. Ça joue au moins, ça bétonne pas et c'est pas trop chiant à voir jouer. Mais Bordeaux, on s'attendait quand même à quelque chose de différent avec Gourvennec, quand même. Oui, bah, au début, oui, ça s'est pas trop mal passé. Mais après, sur l'ensemble, à Guingamp, c'était pas non plus la folie avoir joué à cette époque-là. Il faisait avec les joueurs qu'il avait. Là, il a quand même un peu plus de moyens. Je trouve ça dommage qu'une équipe comme ça soit pas un peu plus haut. Mais après, depuis qu'ils ont été champions de France, très clairement, derrière, ils ont quand même pas fait grand-chose. Il leur manque un vrai attaquant, je trouve, avec eux, qui pourrait un peu les porter, comme ils avaient avec Cheikh Diabaté, juste avant qu'ils partent, quoi, par exemple. Il leur manque vraiment quelqu'un devant qui puisse faire la différence face au but, je trouve. C'est pas faux. Une équipe qui va bien et qui joue pas forcément bien au ballon, c'est Saint-Étienne. C'est Nantes, justement, ce Saint-Étienne-Nantes, là. Ouais, un partout, avec un très beau but de Pajot. C'est pour tous les buts qu'il a raté avant. Ouais, très beau but de Pajot et Nantes qui égalise sur un but qui est, je sais pas si tu l'as vu, un but quand même assez gag de Salah qui se fait dégager un ballon dans le visage et qui marque. Ouais, un but à la Salah, quoi. Ouais, voilà, un très beau but de Renard des surfaces. C'est Nantes qui est sixième, je crois. Cinquième. Ils ont de la chance en plus avec eux, donc ça aide à prendre des points. Là, ils auraient très clairement dû perdre quand même. Enfin, je pense qu'ils ont été quand même dominés par Saint-Étienne, qui a 2-3 occasions, qui passe à côté, qui fait du Saint-Étienne, quoi. C'est pareil, c'est comme Bordeaux, c'est deux équipes qui, moi, m'ennuient un petit peu. C'est ça. Nantes, ils ont eu du bol de ce coup franc là de Lima contre Monaco. Là, ils ont du bol d'égaliser. Est-ce que ça retombe un peu sur la tête de Salah? Mais ouais, ils ont la réussite à la Ranieri. Ouais, c'est ça. C'est Ranieri qui les porte bien. Et je trouve ça bien pour Ranieri. Après regarder jouer, c'est sûr, c'est pas fabuleux. Mais attirer des coachs comme ça en Ligue 1, c'est pas non plus très facile. Et c'est bien que ça fonctionne en tout cas. Une équipe qui va mieux, en tout cas, meilleure équipe depuis la septième journée, je crois, c'est Rennes, hein. Rennes-Amiens, 2-0, un but de Cazerie et André. Hein. Je suis content, forcément. Ouais, contre Amiens, le promu, c'est un score logique, hein, même si ça se passait pas forcément très bien avant le changement d'entraîneur. C'est sûr que ça va beaucoup mieux, je trouve, à Rennes. Même dans le jeu, il y a un vrai projet de jeu. Je sais pas toi ce que t'en penses, parce que tu les suis quand même, je pense, plus que moi. Est-ce que c'est pas les enseignements ou la suite de Gourcuff, je sais pas, en tout cas avec la Mouchi, ça va beaucoup plus direct vers l'avant, ça joue moins possession, quoi. Ça va direct vers l'avant et il y a les joueurs. C'est ce qu'a dit la Mouchi après le match en zone mixte, hein, que c'était un peu l'héritage de Gourcuff qu'il faisait avec l'équipe qu'il avait eue avant, donc c'est assez classe. Je trouve qu'en plus ça fonctionne bien là avec. Il y a des bons joueurs sur le banc. Il y a Mawasa, par exemple, qui est vraiment pas mauvais. Ouais. En jeune, surtout là, il remplace Cazerie en fin de match. Je trouve que il y a une cohérence, en tout cas, de jeu qu'il n'y avait pas forcément peut-être avant. C'est ça. Et en tout cas, ça fonctionne mieux en contre, un peu comme ça. Je trouve que c'est plus agréable, quoi. Et puis Cazerie qui marche sur l'eau, là. Il est très fort. Il est vraiment très fort. Franchement, ouais. Il était aussi fort que ça quand il était à Bordeaux et à Bastia, je sais pas, j'ai pas souvenir. À Bordeaux, il tournait pas mal là, juste avant qu'il parte. Il part à Sunderland au mercato d'hiver, je crois. Ouais. Alors que Sunderland est tout au fond du trou. À Bordeaux, il avait bien enchaîné. Même les 6 derniers mois qu'il fait à Bastia étaient déjà costauds. Alors, c'est un mec qui a du ballon et c'est un très bon joueur de Ligue 1. Qui mérite les éloges, ça c'est clair, puisque c'est rare, je trouve, les joueurs comme lui, en tout cas, des profils comme lui. Il peut marquer de loin, il sait jouer, enfin voilà, il sait un peu tout faire et c'est pas désagréable. En tout cas, je veux pas dire que Rennes est candidat à l'Europe parce que ça va tellement vite, mais c'est juste que Rennes et Montpellier, c'est les deux seules équipes, hormis Marseille, Lyon, Monaco et Paris, avoir un goal average positif. Je sais, si tu te rends compte, le classement, c'est juste incroyable. Ça fait peur, mais ça fait grave peur. Quoi. Bah c'est la fameuse Ligue 1 à deux vitesses. Hein. Les 3-4 premiers et puis les autres. Quoi.
C'est assez fou. Une équipe qui va mieux aussi, ou pas, avec le départ, ou pas aussi, de Marcelo Bielsa. Lille-Toulouse, hein, est-ce que Toulouse est nul, est-ce que Lille va mieux, on ne sait pas. Ouais, je pense que Lille va mieux et que Toulouse est pas, et fait pas rêver. En tout cas moi, c'est pas mon équipe favorite. Toulouse, c'est... pourtant sur le papier, ils ont quand même des joueurs intéressants, des Max-Alain Gradel, des Imboula, même Toivonen qui l'a pas joué, je crois. Toulouse, je crois qu'ils sont sur 5 défaites d'affilée, 5 matchs sans victoire en tout cas. 5 matchs sans victoire, c'est ça ? 3 défaites d'affilée, 5 matchs sans victoire. Ouais, c'est ça. Et Lille qui, oui, va mieux depuis qu'il n'y a plus Bielsa. Et c'est pareil, un peu comme Rennes, ils ont abandonné le jeu de possession pour un jeu un peu plus direct en contre-attaque. Là, il y a Pépé qui marque, qui d'habitude jouait dans l'axe avec Bielsa, qui met un vrai but, en tout cas, depuis le côté droit. Même lui, après le match, il a dit qu'avec Bielsa, il jouait dans l'axe et que là, il préférait clairement jouer à droite. Il y a Amadou, le numéro 6, et le capitaine de l'équipe qui a dit que ça allait mieux quand même quand les joueurs jouaient à leur place. Très clairement, je crois qu'à Lille, on est content que Bielsa soit parti, en tout cas les joueurs. Et ça se ressent en tout cas, hein. On le voit sur les résultats, là, ils vont quand même beaucoup mieux. Ils sont sortis de la zone de la zone de barrage, en tout cas. Ouais. Voilà, ils ont gagné face à un concurrent direct au maintien, donc... C'est plutôt positif, je pense qu'ils arriveront à se sauver si le cap reste comme ça. Une autre équipe qui descend, c'est Angers qui rentre dans cette zone rouge, justement Monaco-Angers avec un peu de chaos. Ouais. Angers, c'est pouf, oh là là. 14 points Angers, hein. Ils sont quand même déjà à 2 points de Toulouse, donc le barragiste. Pareil, ils sont sur 5 matchs sans victoire. Je crois que la formule à Angers fonctionne plus très très bien comme elle a pu fonctionner pendant leurs 2 premières saisons. Pourtant il y a Toko Ekambi, hein, qui a 6 buts pour le club, ce qui est quand même pas... Quand on est avant-dernier, avoir un attaquant en 6 buts, c'est quand même relativement rare. Mais bon, là après ils sont tombés sur Monaco, c'est quand même pas une petite équipe de Ligue 1 très clairement, surtout que Falcao a marqué. C'est un score logique qu'il va falloir qu'ils gagnent contre des Toulouse, Strasbourg, Troyes, des équipes à leur portée en tout cas. C'est relativement homogène, la situation est quand même pas catastrophique en bas de tableau pour eux, donc ils sont pas si loin que ça de se sauver non plus, quoi. Situation catastrophique par contre, c'est Metz, hein, qui perd contre Nice 3-1, là, par contre là c'est terminé, quoi. Ah bah là c'est... Oui, alors ils ont 4 points je crois. Ouais. Je risque de pas être forcément très très impartial avec Metz comme je suis supporter de Nancy, mais bon, j'ai rien à dire en ce moment. Après Nice est quand même un peu mieux, hein, ces derniers temps, donc ils sont sur une bonne dynamique face à une équipe un peu moribonde là comme Metz. C'est pas étonnant. En plus, ils ont de la réussite sur le coup franc de Balotelli qui est détourné et qui prend un contre-pied le gardien. Et puis il y a Pléa qui revient bien, donc ce qui porte un peu Nice face à une défense de Metz dans cet état-là, c'est pas un résultat étonnant. Metz, la Metz est dite, hein, si on peut faire le jeu de mots. Je pense que là c'est la Ligue 2 assurée. Et puis Nice qui est 13e là avec cette victoire-là. Donc pareil, ils n'étaient pas bien il y a quelques temps, mais finalement ça va quand même un peu mieux, même si c'est pas la folie, quoi. C'est ça. On terminera vite fait, hein, sur ce 3 Guingamp. Hein. Oui, bon. Oui, il n'y a pas grand chose à dire. Guingamp qui gagne 1-0 à 3 contre Briand, grâce à Briand, pardon. C'est pareil, c'est une équipe... Guingamp avait besoin de gagner, hein. Ils étaient un petit peu dans le dur. Ils repassent devant 3 avec cette victoire-là. 3 qui est sur 2 défaites consécutives quand même. Guingamp restait sur 3 points sur 18. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc est-ce que Guingamp se remet en route ? Je pense que ça va se remettre doucement. 3, il ne faudrait pas par contre qu'il reste dans cette spirale un petit peu négative pendant les prochaines journées en tout cas. Voilà, je sais pas où est-ce qu'il joue la semaine, s'il joue à Monaco je crois 3 la semaine prochaine, donc ça risque d'être un peu compliqué dans les semaines à venir. Ok, mais merci Baptiste pour ce tour de rien. De France tout toujours autant parfait, donc je te dis à plus tard, hein, une prochaine sélection. Yes, bonne soirée. Salut Baptiste, ciao. Salut.
Touk. Alors voilà, c'est parfait. On va regarder les résultats avant de se quitter de la Ligue 1. C'est parti. Tac, on voit que... Je vais passer là. On voit que Montpellier et Marseille ont fait match nul. Caen a perdu contre Lyon 2 buts à 1. N'en déplaise à Olendi et Benoît. Un partout entre Saint-Etienne et Nantes 3. Guingamp, on en a parlé tout de suite. 1-0 au but de Jimmy Briand. Nice 3-1. Monaco 1-0 contre Angers. Et Lille a battu Toulouse 1-0. Le Toulouse qui va mal. Rennes qui remonte. Hein, 7 victoires sur 8 toutes compètes confondues. 2 buts à 0 contre Amiens. Strasbourg qui a battu Paris. Et ouais, championnat relancé. 2 buts à 1. Et Dijon, Bordeaux vendredi. 3 buts à 2. Les Dijonnaises, ça va super fort. Le classement de la Ligue 1, ce qui donne donc Paris toujours en tête. Hein, 41 points, 9 points d'écart avec Lyon, Monaco et Marseille, 32 points. Nantes, 27 points. 6e, Rennes, c'est quand même exceptionnel, passer de la 16e à la 6e place en si peu de temps. 24 points. 7e, Caen, 23 points. 8e, Montpellier, 22 points. Amiens, Dijon, c'est bien, hein, 21 points les deux. Bordeaux, Nice, Saint-Etienne, 11, 12, 13 avec 20 points. Guingamp, 19e, 3, 18e, 16e, 3, 15e, 18 points. 16e, Strasbourg, 18 points. Lille, qui est 2 victoires d'affilée, mais qui reste quand même pas bien classé. Mais ça va aller mieux pour les Lillois, je l'espère pour eux. 18 points. 17e, Toulouse, barragiste, 18e, 16 points. Angers, qui va vraiment mal, 19e, 14 points, et Metz qui ferme la marche, 4 points, et Benevento en Italie, qui a marqué un point contre le Milan de Gattuso sur un but, de gardien de but, c'est énorme, j'ai adoré, c'était la petite histoire du week-end. La prochaine journée, Bordeaux-Strasbourg vendredi, ça va être chaud hein, pour les Bordelais, avec les Strasbourgeois surexcités. PSG-Lille, gros match samedi, Monaco 3, Angers-Montpellier-Toulouse-Caen, Metz-Rennes, Guingamp-Dijon. Dimanche en Amiens-Lyon, à Stade de la Licorne, ça va être chaud aussi. Nantes-Nice, un très beau Nantes-Nice. Et Marseille-Saint-Etienne, un classique dimanche à 21h sur Canal+. Voilà les amis, c'était le grand décrassage épisode 12 en replay sur YouTube, donc dans une petite heure. Donc n'oubliez pas, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne ici ou là, sur ma trogne, sur ma ganache, pour avoir les dernières notifications des dernières vidéos, des débriefings que je fais toute la semaine, vous êtes habitués. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important mine de rien, comme quand l'ami Liénard vous fait une passe décisive et quand vous marquez contre le Paris Saint-Germain, c'est magnifique. Et la petite cloche aussi pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Voilà les amis, je vous dis pour le grand décrassage à mardi, car lundi je suis absent, et bien sûr à demain pour des débriefs, car demain c'est la Champions League. Voilà les amis, n'oubliez pas que le foot ce n'est pas que du business, c'est avant tout un sport populaire. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut. Écran noir, salut, Michel Bigodi.